que j'ai commencé à parler avec ce bel inconnu. On a commencé à parler, le feeling est passé. Okay. C'est un jeune Québécois. Je n'ai pas choisi le Québec m'a choisi. Ok. Je dirais. Donc vous avez discuté avec. Ok. Fait que c'est ça le Québec. Il s'appelle comment? Il s'appelle Luc. Ouais. Donne un gros bec, mon petit bébé. Ok, bon, avis à tout le monde. On a toujours un peu une façon de dire qu'on va un peu se comparer à l'autre. Mm-hmm. L'entraide, on n'est pas chez nous ici. J'ai tout tendance à dire qu'on est dans le pays d'autrui. Okay. On n'est pas chez nous. Mm-hmm. L'entraide, tu as, tu donnes à l'autre, l'autre a, il te donne sans toutefois copier ce que l'autre fait. C'est difficile. Parce que les gens te regardent. Quand je suis arrivée, quand on voyage, on fait les rastas, les longs tresses et tout. Ouais. Et qu'on prend quand même l'avion pour te dire ma deuxième, troisième fois de prendre l'avion. Fait que là, il faut faire les longs tresses. Tout fait que les gens regardaient comme on parle de tout, Florent. Comme j'ai dit, je marche beaucoup. On va parler de tout ce qui est caché. On va aller creuser au fond de avoir un invité. Puis si quelqu'un m'écoute qu'il aimerait être mon invité, viens, on va s'amuser sur le plateau ensemble. Moi, je suis pas. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à l'émission Témoignages. Nous recevons aujourd'hui une jeune femme, une femme dynamique, une femme engagée, une femme au grand cœur. Elle a travaillé dans plusieurs domaines, esthéticienne, sportive, domaine de la santé, aussi elle a été adjointe administrative et j'en passe. Elle vient nous partager non seulement son parcours très atypique, vous allez le découvrir dans quelques secondes, mais elle vient aussi nous donner sa vision de la vie ici à Québec. Elle s'appelle Michèle Epoyimi et nous la recevons ensemble. Bonjour Michèle. Bonjour Florian. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors bienvenue à notre émission. J'espère que tu vas pouvoir inspirer nos téléspectateurs aujourd'hui. C'est ma mission. Ok. Alors on est à Québec. Pourquoi le Québec? Pourquoi le Canada? Pour l'immigration, pourquoi pas la France? Eh papa, ce n'est pas un choix, je te dirais. Dans mon petit coin de Douala, parce que je suis camerounaise d'origine, Florian, dans mon petit coin de Douala, un jeudi soir, après le jeudi des filles, je suis allée sur Internet. Internet? Oui, monsieur. Ah ouais, ok. Oui, ça se fait. Ok. Et que je suis allée sur Internet, et puis bon, sur un site, site sur Internet, contactez-moi pour avoir le site. Ça commence bien. Sur Internet, un jeudi après les cours. Et voilà. Et non, puis, après le jeudi des filles. Tu as le t-shirt mouillé à Douala. Ah, vous mouillez vos t-shirts là-bas. Il y a un concours à Douala. Ah ouais? T-shirt mouillé. Mais oui, le jeudi des filles. Tu vas dans des discothèques et on vous verse de l'eau. Puis le t-shirt mouillé, c'est des concours. Est-ce qu'on retire les t-shirts après? Hey, allez à Douala. Je lâche pas mes sources. Alors, c'est dans quelle boîte? C'était dans quelle boîte que j'étais partie là? Est-ce que je me souviens encore? Je me souviens plus du nom de la boîte. C'est, ça a déjà fermé d'ailleurs, ça bon, fait longtemps. Pourquoi ça. Le Québec? Le Québec, ben c'est ça, j'étais sur Internet comme je disais tout à l'heure, Florent. Mm-hmm. Puis je suis tombée sur un jeune homme. Ouais. Sur un site de rencontre. Ouais. Et puis on a commencé à parler. C'était, hey, Florent, je connais encore la date. Ouais. C'était le 4 avril. Le 4 avril? Oui. Wow. Que j'ai commencé à parler avec ce bel inconnu. On a commencé à parler, le feeling est passé. Okay. C'était un jeune Québécois. Je n'ai pas choisi le Québec m'a choisi. Ok. Je dirais. Donc vous avez discuté avec lui. C'est ça, on a commencé à discuter, le feeling est passé. Oui. Et le 2 mai. Donc vous avez commencé le 4 avril. Le 2 et le 2 mai, oui. Le gars a fait son passeport parce qu'il n'avait pas de passeport. Il ne savait pas si le Cameroun était un continent ou si c'était un pays. Il ne savait pas. Alors. Alors le gars a fait son passeport, ce bel inconnu, il a fait son passeport et le 28 mai, il était à l'aéroport international de Douala. Attendez, vous avez discuté avec votre t-shirt mouillé sur internet le 4 avril et le 2 mai, il a fait son passeport. Moins d'un mois. Oui, il a fait son passeport, le 28 mai il était à l'aéroport de Douala et le 18 juin on s'est marié. À Douala? Oui, à Bonanjo. Ok. Wow. Fait que c'est ça le Québec. Il s'appelle comment? Il s'appelle Luc. Luc. Ouais. Donne un gros bec, mon petit bébé. Ok. Bon, avis à tout le monde. Allez à Douala, mouillez vos maillots et puis allez sur Internet. Vous allez trouver un Québécois. Alors, comme ça, Luc vient, il vous épouse et puis vous voyagez, vous venez à Québec directement. C'est ça, la procédure a été un petit peu. Combien de temps? 22 mois quand même. 22 mois. Ouais. Moins d'une année. Mais 2 ans, presque. 22 ans. Mois, oui. Oui, 12, 20, oui, 2 ans. Oui. Okay. Entre temps, il vivait où? Il vivait chez ses parents. Il a laissé son domicile. Il était avec son ex. Il est resté au Cameroun longtemps? Petit problème. Non, il venait aux 3 mois. Donc, chaque 3 mois. Il venait aux 6 mois.
Donc, okay. Il est venu trois fois. Il est venu une fois 3 mois. Okay. Et après, il est venu aux 6 mois. Et il restait quand même... Un mois. Toujours 30 jours. 30 jours. Oui. Avec vous. Oui. À l'hôtel. Non, chez moi, j'avais... Hey, Florent, quand même. Ah ouais. J'avais quand même... mes petits moyens aussi. Ah oui, hein. Ben oui. Bon, en tout cas, une fois que vous... il vous a convaincu, vous l'avez épousé, vous venez... Mais vous arrivez à Québec... vous avez choisi directement la ville de Québec, hein, parce qu'il vit à Québec. Non, pas du tout. Ah, on oui? était dans une petite banlieue. Ok. On était dans une petite banlieue. Mm-hmm. Et on a commencé à faire notre vie là-bas. Mm-hmm. Mais l'ironie des sorts, j'ai un fils qui fait dans top modèle et tout, mm-hmm. fait que les contrats étaient plus par ici, fait que là, on voulait aussi la ville, okay. on voulait la ville, on est plus à l'aise lui et moi en ville, okay. fait que là on a dit on parachute à Québec, on a vendu la maison et on est arrivé à Québec, on s'est dit on va d'abord s'installer à Québec, essayer de voir si ça nous convient, okay. si ça nous correspond. Ouais. Et ça vous a correspondu? Moi, oui, j'aime bien. Bon, donc vous aimez Québec? Oui. Alors, monsieur le maire Bruno Marchand, vous voyez, il y a des gens qui aiment bien votre ville. J'adore. Faut tout faire pour les garder. Une fois que vous êtes là, l'intégration, comment ça se passe? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs déjà, vous connaissez des couples mixtes déjà quand vous êtes arrivé ici? Quand je suis arrivée, oui, un ou deux couples mixtes. Comment les gens vous regardaient et comment était votre intégration, socio-professionnelle surtout? Sociaux, on va prendre sociaux, là c'est quand même assez difficile parce okay. que les gens te regardent. Quand je suis arrivée, quand on voyage, on fait les rastas, les longues ouais. tresses et tout. Ouais. Et qu'on prend quand même l'avion pour la pour te dire, ma deuxième, troisième fois de prendre l'avion, fait que là il faut faire les longues tresses et tout. Fait que les gens regardaient comme. Puis tu mets du pagne aussi, hein, oui, tissu, oui, oui, chez oui, nous. Oui. Je mettais un tissu pagne, fait que les gens me regardaient en route. Comme... C'était comme dans une banlieue, j'étais quand même mm-hmm. parmi les seuls noirs de okay. toute la banlieue. Et vous étiez toujours flashy-flashy. Toujours flashy-flashy. Aïe. On essaye. Et qu'est-ce que ça donnait? Bah, c'est sûr que les gens s'arrêtaient en route, les gens s'arrêtaient pour te regarder et tout. Ouais. Fait que ça n'a pas été évident du côté social. Là. Et mais bon. Puis professionnel? Professionnel, ça a été compliqué. J'ai quand même vécu beaucoup de racisme. Okay. Quand je suis arrivée, ma première job, c'était comme caissière dans okay. une boucherie. Mm-hmm. Ça a plutôt bien été, mais les gens avaient de la misère à te faire confiance. Écoute, mm-hmm. tu touches quand même sa nourriture, même mm-hmm. si tu mets des gants. Oui. Non. Je veux pas que tu me sers. Ah, ça a été ouais. compliqué. Oui, c'était une banlieue quand même où je suis arrivée. Ça a été compliqué ce côté-là. Mm-hmm. Bon, on tient, hein, on est arrivé, on tient, la famille au pays compte sur nous pour plusieurs choses. Mm-hmm. Fait que j'ai laissé ma tête haute, j'ai gardé okay. la tête haute. Mm-hmm. Et puis bon, j'ai travaillé là-dedans pendant pratiquement un an. Je suis retournée aux études, j'ai fait secrétariat, okay. pour aller chercher mon diplôme. Après, j'ai travaillé comme caissière chez Desjardins. Okay, j'ai commencé tranquillement okay. comme caissière, après tranquillement je suis montée agent conseil, mm-hmm. toujours chez Desjardins, j'ai fait plusieurs années là-dedans, ça a été le fun. Mm-hmm. Quand on est venu à Québec, bah, il fallait un petit peu regarder, j'aime ça l'autonomie, okay. j'aime ça l'autonomie, mm-hmm. j'ai regardé un petit peu, j'ai eu une petite baloque avec mon fils mm-hmm. qui m'a fait comprendre que les assurances collectives, bah, ils ont quand même leurs limites mm-hmm. et j'ai rencontré Combine, la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui, je suis okay. très heureuse de travailler pour cette compagnie mm-hmm. et aujourd'hui bah, je suis représentante de Combine. En assurance de personnes, accident, maladie, invalidité. Et juste une petite parenthèse, je ne suis pas censé faire de la publicité, mais quel est le petit plus de Combine? Juste une seule réponse. Ben, le petit plus de Combine, ça vient personnel quand même. Parce oui. que le petit plus de Combine, c'est qu'on te donne de l'argent. Oui. Tu es à l'hôpital, okay. tu sors de l'hôpital. On va arrêter ça là, parce que Combine ne me paye pas pour ça là. Ok. Voilà, vous pouvez la contacter pour avoir les avantages de Combine. Il semblerait que vous gagnez beaucoup d'argent parce que quand vous êtes malade, quand vous avez une mauvaise bad luck, comme on dit ici au Québec. Alors, vous parliez, on va parler rapidement intégration socio-professionnelle, sociale. Au niveau des communautés noires, communautés africaines, communautés camerounaises, est-ce que ça se passe bien? Quel est le regard? Quel est le regard de vos soeurs et frères sur vous dans un couple mixte? Est-ce que... Dis-nous un peu, quel est bah, le feeling que, tu sais que Flora, les gens ont des préjugés. C'est disent qu'on a les préjugés au niveau de... Allez-y. Hey, on va couper la partie là. Ouais. On a des préjugés. Les gens ont des préjugés. Oui. Oh, les blancs sont sales, oui. les blancs ont des odeurs, oui. les blancs ne savent pas faire ça. C'est les mêmes préjugés des blancs et des noirs. Mais c'est ça, okay. c'est des préjugés. Okay. Quand les gens me disent, tu as laissé une belle femme, tu as laissé les bons gars noirs pour partir chercher le blanc, mon frère. Ça va faire plus de 13 ans. Si je n'étais pas, bon, hein, je ne serais pas là. Bon. Donc, ces préjugés-là, mm-hmm. les gens regardent souvent. Et puis les gens osent même m'approcher pour me dire, mm-hmm. maman, tu es sûre que tu veux savoir le blanc? Je suis là. Ça va faire 3 enfants et on est bien. 3 enfants? Oui. Parlez-nous de ça. 3 garçons. Le premier, vous l'avez fait où? Dans ma petite. Ok, le deuxième. Deuxième encore, à côté de la banlieue. Et le troisième à Québec.
C'est un gars de Québec, le dernier. Ah ouais, c'est un Québécois. C'est un Québécois, j'ai accouché ici à Québec, le dernier. Et comment ça se passe au niveau des enfants, ça se passe bien? Oui, c'est sûr qu'en bas, lieu, les deux premiers, c'était quand même difficile, c'est les métis. Ok. C'était quand même assez difficile lorsque tu vois qu'en classe, on invite les autres pour un anniversaire, puis lui, on ne l'invite pas. Okay. Mon aîné, parce que lui, il partait déjà à l'école quand on était encore en banlieue, et que lui, il ne reçoit pas de billets. C'est sûr que ça a commencé quand même à me faire un petit quelque chose dans mon cœur de discrimination, maman. Discrimination. C'est ça, discrimination dans mon cœur de maman. Et puis mon mari, une chance qu'on partage la même vision, il était quand même porté à. L'enfant vivait ça. C'était difficile parce que mon aîné, il me disait tout le temps, maman, je ne comprends pas, ça va bien en classe avec telle personne, mais pourquoi moi, je ne suis pas. Je vais pas à l'anniversaire. Okay. Il a quand même 4 ans et demi, fait que 5 ans, il commence à comprendre. Ça se passe bien. Mais là, peu d'endroits, ça se passe bien parce qu'ils sont quand même plusieurs, ils sont mixés dans sa classe. Okay. Il y a des noirs, il y a des blancs, des asiatiques. Fait que c'est quand même mixé. Il est plus épanoui, il a des billets pour des anniversaires. Okay. Je trouve qu'il est plus épanoui. Pour les enfants. Et puis, rapidement, une petite synthèse entre le moment où vous êtes arrivé au niveau des communautés noires et des communautés d'ici. Croyez-vous que tout se passe bien? Qu'est-ce qui peut améliorer les conditions des communautés noires au niveau entrepreneurial, au niveau social? En deux mots, qu'est-ce que vous direz? Au niveau social, Florent, je disais l'entraide. L'entraide. On a toujours un peu une façon de dire qu'on va un peu se comparer à l'autre. Mm-hmm. L'entraide. On n'est pas chez nous ici. J'ai tout tendance à dire qu'on est dans le pays d'autrui. Okay. On n'est pas chez nous. Mm-hmm. L'entraide. Si tu as, tu donnes à l'autre, l'autre a, il te donne sans toutefois copier ce que l'autre fait. Okay. Parce qu'on a ce truc-là. Moi, mon métier me pousse vraiment me porte à aller dans plusieurs familles. Mm-hmm. Et j'ai les témoignages de plusieurs personnes. Vous semblez aimer votre métier. Oh, j'adore. Okay. J'adore, Florent. Il me met en contact des personnes. Et quand quelqu'un me rencontre, il me dit, grâce à toi, j'ai pu payer mon loyer. J'adore. Alors, et aujourd'hui, vous faites beaucoup de foyers, vous visitez les gens, vous discutez. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, ben, je trouve qu'il y a plein d'affaires qui sont cachées, Florent. Cachées? Oui, les gens vivent beaucoup de choses. Comme tu vois, j'ai parlé de mon intimidation. Ça, c'est quelque chose que c'est la première fois que je viens en parler comme ça, à vive voix, parce que tu me poses la question, puis je me sens à l'aise aujourd'hui d'en parler. Okay. Fait que les gens ont beaucoup de vices. Il y a beaucoup de vices cachés. Mais il faudrait peut-être les faire sortir. Ben oui, c'est des tabous qui sont sortis. Ça vous dirait pas de porter une émission sur Diaspora Interaction pour pouvoir faire sortir ces choses cachées-là? Qu'est-ce que ça vous dirait? Ben oui, moi, je suis très partante. Au cœur des tabous, une émission que vous pourrez porter. Oui. Ça vous dit? Mais oui, je suis partante. Écoutez, à partir de... Là, on vient de décider une émission qui va passer sur Diaspora Interaction avec... Pourquoi pas en juin, Florent? En juin? Oui. Dans quelques jours? Oui. Je suis partante. Pourquoi pas? On est au Canada, Florent. Ça va vite. On ose. On ose. Alors, au cœur des tabous? Au cœur des tabous. À partir du mois de juin? Oui. Ok. Ah. On parle de tout, Florent. Comme tu dis, je marche beaucoup. On va parler de tout ce qui est caché. On va aller creuser au fond de... Les interdits. Les interdits. Oui. Oui, le couple, le célibataire. Qu'est-ce qui traverse nos immigrants quand ils arrivent? Mm-hmm. Qu'est-ce qui traverse? Au niveau, pourquoi pas sexuel? Mon frère, c'est... Vous êtes prête à parler du sexe? Mais oui, pourquoi pas, Florent? Ah, oui? On en pratique, il faut qu'on en parle. Ah oui. C'est ça qu'ils ont. Fait que oui, pourquoi pas religion? La religion. Tout ce qui est tabou, Florent. Oui. Tout ce qu'on n'ose pas. Parler. L'interdit. L'interdit. Le petit truc caché, là. Vous êtes prête à éventuellement poser les questions aux gens? Oui. Ok. Avoir un invité, puis si quelqu'un m'écoute qu'il aimerait être mon invité, viens, on va s'amuser sur le plateau ensemble. Moi, je suis pas attente. Par contre, ça va être une question d'interdit. On pourrait parler peut-être des sexes, comment, de la position qu'on préfère. On peut parler de n'importe quoi. On peut parler aussi des femmes, par exemple, qui préfèrent aller avec deux hommes ou des hommes qui préfèrent aller avec deux femmes. Ouais. T'as donc bien des sujets, bro. Ben, t'as donc bien des sujets. On va parler des prêtres qui, aujourd'hui, sont plus actifs que les gens qui ne sont pas des prêtres. Oui. On va parler de tout, les interdits, on va parler de tripes à croire, des affaires de foyer, on va parler de religion, le sexe dans la religion, différents de genre, tout ça. Ok, et les lesbiennes aussi? Mais oui. Mais en tout cas, bref. Ouais. Au cœur des tabous, j'ai hâte à ça, on va pouvoir s'amuser. Alors si vous n'êtes pas, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas gêné, si vous aimez parler de tout. Oui. L'émission au cœur des tabous va être votre émission. Alors, on dit quoi? On dit qu'à partir de juin, c'est parti. Oui, à partir de juin, c'est parti. On va mettre ça le premier dimanche du mois de juin. Surtout tout ce qui est interdit et tous les sujets pertinents et sensibles. Oui. Alors, pour fermer notre émission aujourd'hui, partagez-nous vos passions.
Ben écoute Flora, j'ai plusieurs passions. J'étais un enfant très très active, plus jeune. Alors j'ai fait du karaté. J'étais vice championne de mon pays. J'ai fait du karaté. J'ai fait du handball comme gardienne de but de handball également. J'ai joué au soccer. Je suis encore gardienne de but ici à Québec. Au soccer, je joue généralement au stade Onco à Lévis. Et j'ai été mannequin pendant très longtemps, que des passions. J'ai été esthéticienne, j'ai fait des tresses, je fais des coiffures, juste à moi-même, fait que pas au public, juste à moi-même. Fait que j'aime faire à manger également. J'ai été superviseur père éducateur aussi. Donc, conseil, rassembler les gens et tout ça. Et des prix que vous avez gagnés? Et des prix que j'ai gagnés, oh my God, Florent, des prix que j'ai gagnés, j'ai été personne du public aux Awards féminins ici à Québec en 2024. Et ça a complètement changé ma vie. Et je te dirais, on va prendre une émission pour en parler. Là, ça a changé ma vie. Je suis dans les couvertures des journaux aujourd'hui. Avec des prix, j'ai gagné le couple et la diaspora avec Dr. Love. Merci d'avoir accepté de changer avec nous. Et si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Hey boy, si j'étais un animal, peut-être, hey boy, je sais, ça c'est une belle question ça, Florent, peut-être un caméléon. Un caméléon? Oui. Pourquoi? Parce que je m'adapte à tous les milieux. Ok. Oui, je change de couleur à tous les milieux. Quand tu veux que je sois la femme entreprenante, l'assureur, je suis l'assureur. Quand mon mari veut que je sois l'épouse, je suis l'épouse. Quand tu veux que je sois l'animatrice, je suis l'animatrice. La sœur, la mère, peut-être un caméléon. Un caméléon? Oui. Alors, on est avec le caméléon Michel Epoyimi, qui sera votre future animatrice. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoute, Florent, que l'émission, là, tu me mets au cœur comme ça, là, avec, écoute, que les gens puissent comprendre et que cette émission puisse impacter. Ok. Puisse apporter un plus dans la vie de chaque personne. Connectez-vous, ça va être intéressant les dimanches. Mm-hmm. On va lancer, tu vas sûrement lancer. Oui, un jingle, on va préparer jingle et tout. Mais connectez-vous, on va s'amuser. Et puis, n'hésite pas à écrire pour être assise à côté de moi ou assis. Un homme ou une femme, peu importe, pour qu'on puisse parler, échanger. C'est une causerie. Ouais. Pourquoi ça pas? Ça peut être une personne, deux personnes, ouais, un couple et pourquoi tout. Pas? Bon. Un couple, pourquoi pas? Un couple. On choisit un sujet, puis on s'amuse, on parle. Ouais. C'est les interdits. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des choses, des sous-bois qui peuvent sortir. On a hâte à ça, moi j'ai hâte à ça. Moi aussi. Alors, un mot de fin pour nos téléspectateurs. Écoute, Florent, un mot de fin. On est au Québec, il va commencer à faire beau. Profitez du dehors, profitez de l'intérieur aussi en suivant aucun des tabous. Une fois, un dimanche, deux dimanches sur... Deux dimanches sur quatre. Sur quatre. Fait que venez vous amuser avec nous et puis venez au Lion Blanc. 180, mais oui, Florent, je m'excuse. Oui. On me fait pas faire la publicité, mais j'adore. Allez-y. Quand c'est bon, c'est bon. Ouais. 193 rue Chabot, je viens de manger mon plat de chèvre. Fait que le Lion Blanc, la référence, c'est l'été. Ça va chauffer. Les anniversaires, n'importe quoi, ça se passe ici au Lion Blanc. Ne va pas ailleurs. Je te dis, viens goûter. Tu vas t'aller. Alors voilà, on était avec Michel Epoyimi, votre future animatrice de l'émission Au cœur des tabous, qui va vous amener dans l'antichambre des points sensibles, les points cachés. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour vous qui voulez vous exprimer sur n'importe quel sujet. Si vous êtes fâché contre la religion, vous êtes fâché contre ça, vous voulez vous exprimer vraiment, alors vous êtes l'invité de Michel et ça va commencer au mois de juin. Ça va déjà très très vite. Et comme elle vient de le dire, le Lion Blanc, le restaurant et espace qui vous permet de manger des repas savoureux à tout moment, à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Le lieu aussi, vous pouvez recevoir tout genre d'invités. Vous pouvez venir ici, il y a assez d'espace, il y a un sous-sol où vous pouvez organiser vos anniversaires, vos demandes en mariage, vous pouvez organiser des soirées surprises, des soirées couleurs. La salle, elle est assez grande et aussi vous avez le restaurant en lui-même, il est grand, il est beau et l'accueil est chaleureux, une expérience inclassable. Alors, ne manquez pas de venir visiter le restaurant. En attendant, prenez soin de vous. Et on se voit très bientôt avec notre prochaine ou prochain invité de l'émission Témoignage. Au cœur des tabous. À très bientôt. Allez, bye bye. Bye. 20 minutes.
Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.